Comme ça. Et on est bon, et c'est parti! Sans attendre, on lance, on est des ouf! Armé de notre magnifique chapeau pour la Saint-Patrick, ouais! Chapeau vert, t-shirt vert. Let's gong, on est dans le thème. Bon, on boit de l'eau, mais. C'est vrai que c'est pas très commun ça, la Saint-Patrick, mais bon. Ça va le faire. Oh, ça me fait une tête ce chapeau, c'est incroyable. Chapeau plus casque égale victoire. Attends. Let's gong. Ah ouais, j'ai eu trop peur. Genre, quand j'ai lancé le jeu, ça m'a mis erreur de mise à jour de Steam. Démerde-toi. Et j'étais là et puis. Ouais. Je crois que j'allais pas pouvoir le lancer, mais finalement, c'est bon. Ça s'est arrangé. On est là. Au pire, ça n'avait pas marché, on serait parti sur LOL, hein, c'est pas très grave, mais bon. Tant qu'à faire, autant respecter le planning. Le saint planning. Ah, la dernière fois, on en était où? On avait fait la quête du hamster avec les rats, on avait. Et on était devenu tout puant, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça, on était devenu tout puant avec le rangeur. Mais ça j'ai vu, ils sont infestés de rongeurs. Je les déboîter les rongeurs, tu vas faire quoi? Et donc ouais, on était devenu tout puant à cause du rangeur. Oh c'est quoi? Ah non mais. Ça y est, je redécouvre le jeu, j'ai fait ça genre il y a. Il y a deux lives, mais je suis en mode, ah, c'est quoi? Et grâce à un gentil viewer du chat, on n'avait donc pas utilisé la potion pour nous soigner, parce que si on finit le jeu en puant la mort, eh bien ça nous fait un succès. Et oui. Donc je crois d'ailleurs qu'on a un peu épuisé nos quêtes, quêtes optionnelles. Là, faut qu'on retourne sur la quête principale. Qui est donc d'aller au troisième étage de ce donjon modzé. Enfin, c'est surtout l'étage qui est modzé. Enfin, c'est surtout le quatrième étage qui est modzé. Pour arriver au quatrième, il faut passer par le troisième. Ah, c'est pas faux. Je suis subjugué par le petit poulet en bas là sur le temps de chargement. Genre des fois, je le regarde, je perche dessus et je dis, le monde n'existe plus quoi. Ok, du coup. Oula. Ouais, et c'est plus chiant à modifier, débile. Quête secondaire, c'est ça, j'en ai plus, hein. Plus de quête secondaire, mais du coup, les gongs. Sans transition, quête principale, let's go, on s'arrête pas. C'était par là de mémoire, parce que oui, le magicien nous avait ouvert un petit passage secret. La fonction anthropologique du gobelin. Ok, let's go. Je prends tout, je prends tout, je prends tout, je ne laisse rien. Ils sont jolis les escaliers par contre. Olé. Attends. Je viens de capter un truc. En dansant comme un débile, je n'ai pas réactivé le son du jeu. C'est désormais chose faite. Désormais, vous l'entendez exactement comme moi. Donc là, vous entendez rien parce qu'il n'y a pas de son. Ce serait trop beau qu'on ait du son pendant les écrans de chargement. Ah, Mais. ça sent les peaux vertes ici. Voilà. Ça empeste le gobelin. On entend la voix du nain. J'aime pas les gobelins. Ils sont sales et ils mettent le bazar partout. Et puis, ils coupent les arbres et font des choses avec les écureuils. Ça, on peut pas le Comme ça, savoir. tu les rendrais presque sympathiques. Mais ce sont mes pires ennemis. Ils creusent dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. Alors, miam miam, gobo. Laisse-moi deviner. Il dit que c'est bon à manger? Toi, tu fais des progrès en ogre. Oh, oh. Et let's go.
Oh, ça pue le combat ici. Là, il y a une petite caisse de je sais pas trop quoi. Soit ça pue le combat, soit c'est joli. Des caisses en plein milieu. Toujours du plus bel effet. Il va se passer un truc là, non? Tout le monde est full vie. Oh, let's go, j'ai fait les choses bien. En fait, j'aime bien d'un live à l'autre. D'une partie à l'autre. Laisser mes personnages un peu full vie, comme ça, la fois d'après où je les récupère. C'est plus tranquille, genre c'est un peu comme se garer en marche arrière, tu vois. Pas le sambouille, c'est fermé. Eh ben, tu ne crochettes pas. C'est mieux pour après. Étrange. La forme de la serrure ne ressemble à rien de connu. On dirait un assemblage de plomberie. What the fuck? C'est un bug ça, non? Je crois que le dialogue il est bugué. Attends, je vais faire les voix. C'est bien pourtant de tricoter pour les poneys qui ont froid à l'hiver. Ah! Putain! What the fuck? Sur ma fiche de perso, je n'ai pas mis de points en crochetage. Je suis un voleur, pas un cambrioleur. Il y a une pancarte! Ça, j'en ai entendu la voix du professeur Chen. C'est écrit. Suite à des excès de boissons, l'accès au quatrième étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne savez pas lire, tant pis pour vous. Signé Rayvax, intendant principal. Et voilà, tant pis. C'est dommage, si près du but. Il n'y a plus qu'à repartir à la taverne et attendre la fin du monde dans ce dernier bar. Et c'est bizarre, les pattes de mouche ressemblent à des dessins gobelins. Mais c'est chelou, on dirait que le son il a totalement bugué. Attention, je crois qu'on vient. Attends. Si je suis Alt-Tab, que je reviens. Oh non, le son il a bien bugué sa mère. Putain, lui j'ai oublié sa voix. J'ai oublié sa voix à lui. On va lui faire une voix comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cet étage est interdit aux trains de patins. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, il est pas du tout cette voix. Mais what the fuck, le bug. Oh, le bug Irino, quoi. Oh, encore un gobelin qui parle. C'est complètement anormal. Le demi-gobelin, espèce de nabo gracieux. Et je suis l'intendant principal et du donjon, nom d'un robinet. Ah, vous tombez bien. On voudrait la clé pour le quatrième étage. Et on aimerait bien essuyer nos crampons sur ton visage. Tapez. Vous êtes trop pouilleux pour que je perde mon temps avec vous. Garde, massacrez-moi ces débiles pour la gloire du maître. Bon attends, il y a le bug qui fait qu'on n'a pas les voix. On improvise, hein. T'as vu? Allez, let's go. Bon, par contre, mais attends, le son il a totalement bugué. Waouh, il n'y a pas que le son, il y a tout le jeu qui a bugué. Que se passe-t-il? Attends. Ok, non, c'est bon. C'est bon, je crois que j'ai fait un truc. Ça fait débugger le truc. Pourquoi le ranger a un malus? Ah oui, parce qu'il pue. C'est vrai. Le ranger, il pue. L'ogre. L'ogre, il va péter ça et aller faire chier les gobelins là-bas. Il est bien posé, là, le gobelin. L'ogre, pardon. Ah, le son il se remet à bugger. Je pense que je vais redémarrer le jeu après. Et voilà. Attends, par contre, la glace, est-ce qu'on glisse dessus si on marche dessus? Je me rappelle plus. Je sais pas. Lui, on va le mettre là. Le nain. Ah, c'est bizarre, il y a le son, il revient de temps en temps et après il pète un câble. Ok, là il est revenu. On met une estrelle ici, au pire il va chanter, il va les stun, ça va être cool. Ouais, ça m'a perturbé cette histoire, je ne sais plus comment poser mes persos. On va faire comme ça. Let's go. Comme ça, ça me paraît pas mal. Ok, c'est bon, je crois que le bug est passé. Au cake, on est good. Faites gaffe, ils sont sournois. Ah oui, c'était gobelin. Le ranger, on va le foutre là.
encouragés. Je crois que là ils sont protégés là derrière la barrière, il me semble. Ça fait une protection. Il me semble, je m'en rappelle plus. Ah! Attends, mais il peut me pas taper à travers la barrière, genre, ok. Et en plus, il m'a mis un coup critique, le salaud! Il m'a déboîtaxe. Hum. Je me faufile, je glisse et j'esquive, et hop! Stylé. Ah ouais, j'ai pris un bon coup de jauge de randomie avec ce que je me suis pris. Ah, ça fait quoi le 3 étoiles? Ça fait téléporter instantanément le personnage sur une case du jeu de mon choix. Donc je peux le mettre là si je veux, quoi. Stylé, mais non. Je vais juste taper, je vais faire baston. Ou alors, attends, est-ce que je peux le foutre là? Ah, mais non, ça me fait passer par la glace. Là, comme ça, on a moins de chances de se casser la gueule, vas-y. On va tenter. 6%! Il y avait 6% que je me fasse niquer! Ce jeu me déteste. Ce jeu me déteste. Oh putain. Oh le coup de fusil à pompe quoi. Voilà, attends. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre là. Ou là, attends, c'est quoi? C'est un cac? Ouais, c'est un cac. On va se mettre là. Et on va faire. Ah, la 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 la! Allez hop! Tout stun. Là, on va un faire gobelin, ça. Ça va. Sans gobelin, j'ai réussi à faire un échec critique en tapant une caisse. Non mais sans déconner. Attends, vas-y. On va lui redonner un point d'action avec la jauge là, pour la jauge. Point d'action en plus, comme ça on peut retenter de taper. Voilà. Ok, ça c'est mieux. Pourquoi je peux me déplacer aussi peu loin? Il y a moins de mouvement l'ogre. Attends. Moins d'esquive et de parade. Bah, chelou, normalement il devrait pas. Enfin, il devrait pouvoir quand même bouger, wesh. Là, je vais me mettre là. Ok. Ah non, putain, je vais taper le ranger si je fais ça. Merde, j'ai pas envie. Pef, on va taper celui-là. Ok, ça a marché. Let's go, let's go. On va réussir à. À rattraper tout ça. Sac à fiente de chèvre. D'accord. En avant. Je ferai pas de blague sur le syndrome de la tourette, c'est un vrai trouble, mais là quand même. Oh le sniper. Snipe lui. Alors attends, donc là. Le voleur. Attends, est-ce que je peux pas en emmerder un là? Non, je peux faire comme ça. Oh bon, là, il y avait 8% quand même. J'aurais été bien deg. Bah, toi, t'es one shot. Non, mais putain! À l'aide! À l'aide! Au secours! Mon dieu! Mais bordel! Y'a rien qui va, j'enchaîne les échecs critiques. Cette partie est doomed. Cette partie porte le sceau du malin. Bon, ça que aussi se casse un peu la gueule, c'est cool. Non mais vas-y, il fait toute la map. Il reste debout quoi, JPP. Ah par contre, c'est chelou que mon ogre il se déplace pas beaucoup. Ah ouais non, et j'ai dû lui équiper un truc qui fait qu'il se déplace pas trop. Ouais. Cible étourdie si elle a tous les PV. Putain, personne qui a tous ses PV. Tant pis. Non, mais de toute façon, faut que je fasse ça. Faut que je fasse la tactique cheat. Let's go. En fait, faut que je profite du fait que la moitié d'entre eux. Oh, ce qui s'est pris. Que la moitié d'entre eux soit. Gelée là. Pour pouvoir déboîter les petits en fait. Enfin, ceux qui sont pas encore gelés, enfin, je me comprends. Oh, ma phrase, elle a aucun sens. Mais je me comprends. Genre, le temps que les ceux qui sont gelés, ils se dégèlent, faut que je tue les autres, en fait. Ah.
Alors ça c'est l'éclair et là c'est un fusil. Donc là l'éclaireur je me fous derrière lui. Oh je vais le déboîter. Je lui mettrai un coup de mandoline démoniaque là. Attends là ça fait 24 et là ça fait... pas assez. Allez bim. Monstrueux félon, vil faquin. Et vil faquin. Non mais là c'est terrible, genre là où ça sert à rien je mets des coups critiques. Ah c'est abusé. Vas-y toi je vais te péter la gueule. Et là pareil je mets des coups critiques. Alors qu'on s'en fout, le machin il est au sol le gobelin. Ça c'est éclaireur, guerrier, chef. Est-ce que je me mettrais pas là et faire une torgnole façon Gurdil? Là je peux. Là je peux, je suis pas mes alliés. Torgnole façon Gurdil. Oh ça fait pas beaucoup de dégâts par contre hein. Oh bordel. Là si je mets le tourbillon de Waza ici. Non. Ouais, sauf que là ça touche le barbare. Et là ça touche le nain. Vas-y, on va faire un truc comme ça. C'est pas grave de toucher un ennemi. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Sauf si on veut aider nos ennemis, bien entendu. Oh, c'est un détail. Ce n'est qu'un détail. Toi, tu vas tuer lui. Non, mais. Ah là là, mais t'es vraiment. Je te parle plus, encore. C'est terrible en fait, la nonchance. Arrêtez! Oh mais putain, et du coup il s'est tourné vers moi. M'en fous. Là du coup je lui ai remis une deuxième action, comme ça il peut retaper. Et comme ça c'est bien. Là je me tourne vers lui. Là l'elfe, comment on va faire? On peut faire ça. Oh ça c'est bien ça. Ok c'est bon. Par contre, attends, je viens de garder un truc. Ce spell s'appelle la flèche magique de LHO. Ah putain, l'humour du donjon de Nullbeck. Oh bordel. Oh, c'est beau. Non. On fait pas ça. Oh, what the fuck. Ah, tu peux résister à la brûlure avec la résistance magique. Ah, c'est intéressant ça. Bah, le nain il s'en fout, il tanque bien le nain. Ça c'est quoi? C'est le chef? Ah, vas-y, on va buter le chef. Hein. Ah bah je vais faire attaque à distance. Il meurt là non? Attends, 14-21, ouf, il meurt large. Il meurt largissime. Si la RNG s'en mêle pas, il meurt large. Ok. On replace notre ranger ici, comme ça il peut facilement soigner les copains. Même pas en rêve. Allez, la petite parade, elle met bien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non mais en fait, je viens de capter que mon ménestrel, je l'ai mis en 1v3 en fait. Il est en train de se soloter 3 orcs, genre. 3 gobelins, pardon. N'importe quoi. Ok, tape le nain, ça je m'en fous parce que le nain il est vraiment tanky, genre. Ça va. Ok. Mon barbare est de nouveau en vie. Est-ce que je peux me mettre là? Ok. Maintenant est-ce que je fais ça? Bleu. Ça poutre. Ouais non en fait je vais perdre mon ménestrel genre. Ah non ça va, en fait tous les gobelins ils sont en train de... Oh, toi t'as tout raté. Ils sont en train de tous se mettre là-bas, donc ça c'est cool. Vas-y, je te tape toi. Ok. Et je me tourne comme ça. Comme ça, s'ils essaient de se barrer, je leur fais une petite attaque d'opportunité. Ils sont dead. Bah toi je te one shot. Voilà comme ça. Alors, le nain. Bah, tu vas finir celui-là, hein, le nain.
mets mon chapeau. Le nain, on va le mettre... Attends, le prochain gobelin, c'est... Aucun de ceux-là. Ouais, je vais le foutre comme ça, Oh, et lui ? Ah, j'ai mal joué. J'aurais peut-être fait une attaque d'opportunité sur l'autre, mais... Mais là, je peux faire ça. Ok, je tire par-dessus la tête du nain, c'est bon, ça passe. Elle, on va lui faire raise le voleur. Certes, je suis le voleur. Pas bouger, tu restes là. Oh bordel, je me prends des coups critiques. Oh, du poison, non. Ok, attaque de dos. Je suis en attaque de dos, toi aussi. Je vais faire sort. Mais non, mais putain. Attention, ils vont me tirer les cheveux. Mon voleur qui ne sert à rien, quoi. Lui, il a 100% de ses PV. Je peux peut-être faire un truc comme ça. Ah merde, mais non. Mais non, 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 parce qu'après, ça me fait faire un sprint. Je suis obligé de passer par là, en fait. C'est bon, ça passe. Et donc là, je le tape par derrière. Et je peux le stun. En plus, je vais lui faire très mal. Allez! Oh, en plus, c'est à lui d'agir. Fin stratège. Rapide et vif, comme la mésange sur un if. Putain, c'est rime. C'est la déprime. Pas mal. Allez. Les damages. Oh non. Pas le ministrel. Non. Ça va être à qui? Ça va être à lui. Oh non, meurs pas du poison, bro. Ah, attends. Ah, lui, c'est un fusil quand même. Vas-y, je vais finir le fusiller. Et je vais me barrer très loin. Mais genre vraiment très loin en faisant... Ah non, attends. Ah non, mais il fait une attaque d'opportunité, lui. Ah, fais chier. Comment je vais me démerder? On va se démerder. Bon, on va trouver une astuce. Oh, par contre, mon ogre, il est tout lent. Je pense qu'il a un équipement qui fait qu'il court pas vite. Faut que je check ça après le combat. Parce que ça me... en fait, ça me gêne, moi, que mon ogre soit pas mal. Oh là là! Le gobelin, on aurait dit Eric Zemmour. Attends. Attends. Ce gobelin... C'est très bizarre ce que je vais dire, mais... Ce gobelin mort a un faux air d'Eric Zemmour. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Peut se déplacer jusqu'où la magicienne? Là, ça fait quoi? Non, c'est pas intéressant. Ben écoute, toi juste, je te tue en fait, comme ça. Putain, quelle masse grouillante et bruyante! Calme-toi, calme-toi. On va faire ça. Soit ménestrel, c'est un soin instantané, en gros, ça me coûte deux trucs de jauge de randomia. Oui, tu as servi à quelque chose, oui! Oui! Merci. Et si j'arrive jusque-là, sans me casser la gueule, c'est bien. C'est huge. Oh non, fais chier. Vas-y, on va faire la technique du tir lointain. Allez! Toi, prochain tour, t'es mort, mon frère Raou. Ok. Est-ce que j'ai pas des alliés qui sont un peu dans le mal niveau point de vie, que je puisse soigner un peu gratos? Bon, lui, mais c'est logique. Je crois que ouais, j'ai le nain, il a pris cher. Hein. Ah, le barbare aussi. Barbare, il lui manque 53 points de vie et le nain moins de 30, 26. On va soigner le barbare.
si on y arrive. En purée, les gobelins! En purée, les gobelins! Serre les dents. Ah, bon, faudra peut-être que je commence à améliorer mes compétences de soins, parce que là, maintenant, c'est mes persos commencent à avoir beaucoup de points de vie. Donc ça les remet pas full quand je les soigne. On va commencer à y penser. Ça poutre. Ah mais là c'est trop tard pour la déroute les frérots, là vous êtes déjà morts en fait. Là juste je te tape, je te mets un coup de clarinette et t'es foutu. Allez dégage. Bonk. Je te bonk. J'suis encore là. Oh oui 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 oui. Je suis là. Mais oui t'es en vie frérot, t'inquiète. Oh un broyeur de gorge gobeline. Évidemment les chaussures pour le nain, la base. Vas-y on prend tout, on réfléchit pas, on équipera tout après. Le ménestrel, la petite popo. Voici un étrange nectar à l'aspect peu ragoûtant. Bon j'espère que le son va plus bugger cette fois. Donc là on a vu que ça s'ouvrait pas hein, de mémoire. Genre il y a un message qui me dit d'aller nous faire foutre. Voilà. Qu'on a nous-mêmes doublé avec nos superbes compétences de doublage. Improvisé. Ah ! Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous, dans le chat, vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu. Merde. Mauvais perso. Ce piège. Ce piège-là. Tirez sur le bon loquet. Ok. Oh, c'est excellent, c'est un truc à fouiller. Encrier sec. Ça sert à rien. Ça sert à rien ces merdes. Allez, on prend tout. Ça sert à rien, c'est donc indispensable. Ok, on débloque l'ascenseur. Les bouquins. Moi je préfère ce point de vue là. Avec le nord légèrement en haut. Comme ça je me retrouve un peu par où je vais. Attends, est-ce que j'irai pas par là? C'est quoi cette porte? C'est ouvert. Ah putain mais c'est des chiottes. On s'en fout. Oh excellent, attends, il y a le détail, il y a du rouleau de PQ. Mais je crois que là non, il y a écrit des trucs là-bas, genre non. Où j'ai perché. J'ai totalement perché. Où il y a des trucs écrits. Ah non, c'est des petits motifs. Ah j'ai cru qu'il y avait des trucs écrits dessus, mais non non, c'est des petits motifs à cœur. Ah c'est mignon. On va équiper nos persos. C'est important ouais, de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Toi t'avais rien à équiper si. Et puis donc des schnaffons. Et ben écoute, je te la prends moi cette épée. J'aurais pas l'air d'un gland. J'ai des noisettes pour les écureuils. J'aime trop les modèles des persos en vrai. Bon, il y a la moitié qui est cachée par un mois. Mais j'aime trop le modèle des persos. Genre là, la petite épaulière, la petite jupette là. Pourquoi les gens ils mettent trop stylé. Dans mes poches on avait dit quoi 20, 30 non, je vais garder celui que j'ai actuellement. Il est mieux. L'ogre, est-ce qu'il y a des trucs en plus? Ah oui, on a vu que la dernière fois c'était de la merde. Ça donnait du courage. Ah, je vais te vendre mes objets, et oui, j'ai oublié de vendre. Mes objets inutiles au marchand. Ah tiens, toi, il te faut de l'intelligence. Bague d'intelligence mineure, let's go. Si ça sent, c'est mes bottes. Toi, non. Toi, non plus. Ah non. Toi, oui. Poches. La petite tunique, là, qui est meilleure. Vraiment pour moi. Et le nain, il avait des trucs. Hein. Rien. Voilà, le nain personne. Avait des bonnes bottes. Elles font quoi? Protection point de vie, let's go. Ah, celle-là donnait de l'endurance par tour. En vrai, elle est genre en mode plus rare, mais est-ce qu'elle est mieux? Protection 1, point de vie 10. Protection 2, pardon. Celle-là, protection 1. Non, on garde protection 2. Évidemment. Donc toi, ça tu remplis, t'as moins de mouvement. Et toi, pourquoi t'as... Je comprends pas pourquoi il pouvait pas se bouger très loin. Attends, il a un équipement qui fait qu'il se déplace pas loin, genre. Protection résistance physique. Ah putain, mouvement moins 1, sprint moins 1. Ah c'est la douille.
C'est la gigadouille. Ah non, moi je veux pas ça en fait. Je veux ça sur qui? Je veux ça sur le nain en fait. Regarde, je veux ça sur le nain. Parce que le nain de mémoire, on lui avait pris une compétence qui le fait dasher. Ça. Ça, ça fait dash. Du coup, si le nain se déplace pas très loin, c'est pas très grave. Il peut dash sur les ennemis. Et ça, c'est important. Ça, on fait pas gaffe. Chirurgien gobelin. Plus de soins, mais à qui on peut le donner ça? Eh bah, lui. Lui, il peut soigner. Let's go. Let's go, let's go. Eh bah, on est bien. On est extrêmement bien. Là. On est prêt à défoncer des tronches goblins. Ah bah, tiens, en parlant de ça. Quoi, c'est encore vous? Je croyais qu'on avait fait des abat-jour avec la peau de vos miches. Cancrela, fouilleur de poubelles. Ah, enchanté. Eh bien, moi, c'est Revax. Popopo. Comment il t'a mouché? On va en faire de la purée de cervelle avariée. Bah, attendez, on peut discuter, non? Non. Okay. Le jeu a l'air qu'il est plus bugué, là, c'est garde, bon. Garde, garde. On a plus le bug des dialogues, c'est bon. Oh, le gobelin, c'est adorable, Coblang. Zivak, tralak, kazimat. Hop! Faut que je change de position. En fait, il n'y a pas de bonne position. Moi, je fais juste que passer d'une mauvaise position à une autre mauvaise position. Voilà, il faut le savoir. Je pense que le nain, on va le foutre là. On va le faire charger dans le vide. Ça va être trop bien. Toi, le barbare. Bon, toi, tu vas prendre ces trois là, ça va être bien. Le voleur, il va passer par là. Ah non, on va faire l'inverse. On va faire barbare. Ici, tu vas 1v1 le zouzou qui est là-bas. Et toi, tu vas stun tout ce petit monde, l'eau. Tu vas stun les gens là-bas. L'ogre, on le met devant. Et on est pas mal. Let's go. C'est un peu chelou comme j'ai placé mes groupes, mais... Oh putain, il y a un voleur en face. Un voleur gobelin. Ok. Donc là, il y a tout mon groupe qui est éparpillé. Juste faire la technique directe. Parce qu'en fait, là, les compétences de zone sur mon groupe, elles vont être plus efficaces vu que mon groupe est un peu splitté, n'est-ce pas? Toi, je vais te mettre là. Comme ça, t'es protégé. Me voilà. Tu pourras protéger un peu tes potes. Ok, toi, tu sprints. Ok, le barbare. On va le mettre là. On va sprinter, on s'en fout. Oh non, je l'avais pas vu, lui, là-bas. Oh, je suis trop con. J'ai pas vu le petit petit gobelin farfelu, là-bas. Shit. Toi, t'es un fou, toi. Toi, t'es un grand fou, regarde. Ça sert à rien. Bon, alors, celle-là, là, pour le coup, la RNG, c'est pas foutu de notre gueule. Parce que là, j'avais genre... pas beaucoup de chance de le réussir, celui-là. Donc là, on va faire de l'anti-mauvaise foi. Là, pour le coup, merci la RNG. Que pourrait faire l'ogre? Il a pas de compétences à distance. Hein. Et ben, il va juste courir plus loin et faire chier des gobelins. Le nain, je vais le foutre là. Et je vais faire son dash qui le fait aller là-bas. Il y en aura pour tout le monde. Voilà. Comme ça, le nain et l'ogre vont prendre l'aggro. À peu près tout le monde. Mais heureusement, ce sont des tanks, alors ça ira bien. Ah putain. Du coup, j'ai mis mon casque de façon un peu chelou. Pour que mon chapeau tienne. Il y a un peu mal au crâne. Ah, les sacrifices que je fais pas, quoi. Pour le contenu. Pour la Saint-Patrick. Pour la Saint-Patoche. Ah, la machine, on l'a foutu là. Vas-y, musicienne. La musicienne. La magicienne, on va la faire soutenir les collègues. Par contre, ils sont loin. Si je fais ça. Ils sont trop moches. Vas-y, je fais ça. Allez, le combo. Oh, les dégâts. Les dégâts. Combo dégâts. Oh, what the fuck! C'était un kamikaze, il a fait la technique du vent divin. Donc ouais, donc là on va se mettre devant le fusillé. Parce qu'en fait si tu te mets devant...
J'allais dire, en fait, si tu te mets devant en distance, il peut pas taper, mais un distance mort, il peut pas taper non plus. Et ouais, ma gueule. Ok, ça fait 0 dégâts, t'inquiète. Bah là, je vais buter avec Elf en fait. Et ça a déclenché une mine, non? Ah ouais, nickel. Bon, ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Parce que bon, il est pas con, il va pas marcher dedans. Mais c'est rigolo. Ah non, putain, il a apporté de l'elf. L'elf, elle s'est déjà fait déboîter tout à l'heure, bichette. Je pense que prochaine fois qu'elle monte de niveau, je lui prendrai la compétence qui fait qu'elle peut esquive automatiquement une attaque d'opportunité. Comme ça, si on la place mal, eh ben on peut quand même jouer avec. Ok, mise furtive. Oh non, dans le dos de l'elf. Oh la pauvre. Oh bordel, elle s'est fait déboîter. Ok, sur la magicienne, c'est pas grave, elle a une compétence de vol de vie. Donc ça peut le faire. Le ranger, on va le mettre là. On va taper qui par contre? En fait, on va le mettre là. Et on va le faire taper à distance. On va le faire taper. Bon bah lui. Et donc là, ah non, lui je le one shot pas. Hein. Et là, là oui. Mais quand même, ça fait. C'est vachement overkill quand même. Hein. M'en fous. Ah bah, comme quoi, c'est pas si overkill que ça en fait. Ça, c'est quoi? Un tour en plus. Vas-y. Enfin, une action en plus. Let's go. Oh putain! Oh, c'est parfait de avoir une action bonus pour rater plus d'actions. Incroyable. Toi, t'es comment? Toi, je te fais une attaque. Une attaque de swing en fait. Boum! Ah, elle déboîte cette attaque, c'est trop trop bien. Là, on va faire une attaque de l'ogre. Boum! Bam! Galère! Ok, bon il a raté deux fois le celui-là, mais bon là ils sont j'ai des gobelins trempés dans la bière. Du coup, ils pourront pas s'échapper facilement. Ah non, tu vas tuer lui en fait. Oh, un PV, t'es sérieux? C'est quoi ce gobelin qui a des petites trines de merde? Ok, j'ai un peu de chance moi aussi. On dit pas non. Ouais, comme quoi les distances, c'est super worthy de les avoir au cac, hein. Là, c'est trop de la merde l'action qu'il a faite. Toi-même? Ah, ce que je disais, voilà, il s'est cassé la gueule. Alors, la magicienne, on avait dit, elle a un sort de vol de vie mineur. Même de vol de vie, je te pète la gueule, en fait. Celui-là. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai que je dispatche un peu mes dégâts. Mais pour rappel, dans ce jeu, quand tu baisses la vie de tes ennemis, ça baisse aussi leurs stats. Et ça, c'est pas rien. 74%, let's go. Boum. On va se mettre bas là. Ah, pas peur. Bon, faut que je soigne ma petite elfette quand même, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts et parce que je l'aime bien quand même, même si voilà. Ok. Je suis en train de réfléchir au prochain coup là, genre mode joueur d'échecs. En gros, là il est sur une mine, donc si je le tue, ça va tout exploser. Ah, bah ok. Ouh! Oh, mais les gobelins suicidaires quoi! Ok, attaque dodo qui a rien fait. Enfin, pas de dégâts. Parfait. C'est complètement ce que tu fais toi, frérot. Hop!
Et voilà, plus d'attaque d'opportunité. Enfin, d'opportunité à l'arc, quoi. Ah, c'est parfait, mon ogre et mon nain, ils tankent de fou. Après, faut pas trop qu'ils se fassent péter la gueule non plus. Ah merde, ça la stun! Oh, il est pas bien, mon ogre, en fait. Non. Non! Oh, quoi, tu vas te faire péter? Mais c'est un ouf! Enfin des adversaires faciles! Même pas mal! C'est un ouf, il a buté ses potes! Non, enfin, moi ça me va hein, si tu sais potes, genre. Ça va faire péter la mine, hein. Ouais, voilà. C'est pas très grave. Le ménestrel. Putain, t'attaques par derrière là, bim! De guitare. Putain, mais le ménestrel, il est en fire quoi, il fait des coups critiques de ouf. J'aime trop. Je vais foutre mon nain ici, petite torgnole. La torgnole la plus worsted de l'histoire, let's go. Et là le plan c'est que je reste mon elfe et mon elfe elle va raise le troll. Il faut qu'elle se grouille parce qu'il est... il va pas rester en vie longtemps. On va faire Fufu. On va se poser. Il n'y avait pas un dans le coin? Attends. En fait, on a buté tout le monde, genre. Il reste ces deux-là. On va se mettre par là et voir ce qui se passe. Au pire, si je reste invisible, c'est pas très grave. Hein. J'ai plus beaucoup de vie, donc c'est. Voilà. Hop. Petit bisou sur le. Sur l'ogre, je connais plus la portée, je vais me mettre un peu plus près. Le petit bisou de l'elfe, petit bisou magique qui soigne les alliés et qui guérit les bobos. Ah ouais, les nains, j'allais dire les gobelins kamikazes, ils font mal, bordel. Bon, ils ont tué plein de leurs potes au passage, hein, mais. Starfoula, ils font mal. Ah non, j'ai mal joué. Oh, quel con. C'est pas grave. Je vais le soigner quand même, lui. Serre les dents, mon pote. Donc lui, c'est en distance. Hein. Faut qu'on lui mette un cac... devant lui, genre. Attends, je vais check vite fait les stats, parce que... Pourquoi si le souci vient du jeu ou de moi? J'ai l'impression que c'est bien du jeu. J'ai pas l'impression qu'on ait droppé de frame depuis le début. Bah non, 0 frame de perdu, donc ouais non, il y avait un petit souci du jeu. Ça venait pas de moi, c'est rassurant. Très bien. Ça fait quoi ça déjà? Précision parade esquive, let's go. Pef, pef. Comme ça le gris prend, il prend un peu moins cher. Ah mais c'est excellent, c'est une chanson de merde différente à chaque fois. Merci frérot. Merci à toi pour ton répertoire incroyable. Il y en a un qui est là, il est où le deuxième? Il est là. Non bah écoute. Ah merde, attends, je peux pas taper de là, on va taper de là. Paf. Et lui, non, lui on le tue pas, lui on le tue. Let's go. Let's go. Ça fait quoi, potion et... 4 points de vie par tour. Ah mais non, mais ça faut l'utiliser en début de combat, faut l'utiliser à la fin, genre. Oh, je vais le niquer. Oh non, dommage. Que ce soit raté. Parce que là, je l'aurais poussé sur la mine, et là... Il était foutu, là, mes petits lardons. Compliqué, là, de placer mon range. Je vais mettre là. Est-ce que je peux tirer sur lui d'ici? Ah non, je peux tirer nulle part. Hein. Et là-bas? Moi, je peux tirer sur personne. C'est pas, on verra après. On va se poser là. On verra plus tard ce qui se passe. Tac, flèche dans le cul. Attends, mais lui, c'est un mini-boss, là. Il a un petit truc sur son cadre. On va lui poutrer sa mère, ce mini-boss.
Bouge pas. Bouge pas, mon grand, on arrive. Les gobelins, on peut s'essuyer les pieds dessus. Carrément. Après, faire gaffe, y en a qui vont aimer ça. Ah, ils peuvent s'échapper que par là. Bah, ils sont doomed. Ils sont doomed. Si je fais baston... Non. Pas à portée. Bah là, c'est finito, hein. Finito, mon frérito. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. La magicienne gagne un niveau. J'en perds mon chapeau. Le barbare gagne un niveau. Il faut soigner. Gagne c'est pas un niveau. On dirait la soigner les copains là. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. La bière, c'est meilleur. Le fameux professeur.